Quelle agriculture voulons-nous pour demain? Celle de la FNSEA, de la Commission européenne, de l'industrie agroalimentaire et de ses complices, de la grande distribution, des semenciers comme Limagrain, Syngenta et surtout Monsanto, le roi du brevetage du vivant, des OGM et du Roundup? Si vous refusez les fermes concentrationnaires où l'on produit une nourriture malade au prix de grandes souffrances et de pollutions innombrables, si vous voulez empêcher l'épuisement des sols et leur pollution chimique, il est une solution toute simple. De rejoindre ou de créer une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, une AMAP. Allez, on vous emmène dans les champs pour donner un coup de main aux paysans de votre nouvelle AMAP. Ils se sont donné rendez-vous à Saint-Germer-de-Fly, un coin perdu au milieu de la campagne picarde. Ils arrivent par petits groupes un dimanche matin. Ils, ce sont les clients d'une AMAP, association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chaque semaine, les clients de l'AMAP Robin Despois viennent chercher leur panier de légumes chez Kamel au café-restaurant Istanbul, près du métro Fort d'Aubervilliers. Ce sont des clients fidèles. Ils ont signé un contrat annuel pour être approvisionnés en légumes bio par Frédéric, qui vient les livrer en camionnette depuis la Picardie chaque jeudi. Frédéric est un peu débordé de travail en ce printemps. La nature se réveille, il faut mettre en terre des centaines de jeunes plants au bon moment pour avoir de bonnes récoltes. Aussi a-t-il eu l'idée de demander de l'aide à ses clients. Accueil autour d'un verre, visite de ses serres, présentation des différentes plantes. Le temps d'un dimanche, le cultivateur a transformé son exploitation en camp de travail pour citadins volontaires. Récit d'une journée dans l'enfer des Khmers verts. L'avantage, c'est qu'on a un contact avec les gens. On peut leur expliquer nos soucis, nos difficultés, la façon dont les légumes sont produits. Et donc ça, c'est très important. Je pense que les gens sont à la recherche de ça, hein, de l'authentique. Et en fin de compte, c'est ce que nous recherchons, nous, en priorité. À midi, tout le monde se met à l'ombre pour un apéro cidre et discuter autour du succulent repas préparé par Odile, l'épouse de Frédéric. Un bon moment de convivialité. Tous les animaux sont bienvenus à la ferme. Pour Frédéric, les nuisibles n'existent pas. C'est un concept erroné. Chaque créature a un rôle à jouer sur la propriété. Leurs empreintes de pas boueuses sont d'ailleurs visibles sur le film noir qui couvre la terre et empêche le développement des mauvaises herbes. Donc du coup, il y a des empreintes. Là, on voit qu'il y a des empreintes, par exemple, de lièvres. Là, il y a des lièvres qui se promènent. Mmh. Et puis là, il y avait un renard. Là, il y avait des empreintes de renard. Donc on a un peu de tout ici. Hein. Là, il a pas fait bobo avec. Les AMAP créent du lien social, maintiennent des paysans en place pour entretenir nos paysages, tout en fournissant une nourriture exempte de pesticides. Elle contribue à maintenir la bonne santé des sols. Il y en a sûrement une près de chez vous. Quand vous abonnerez-vous? Et si vous voulez soutenir ceux qui luttent contre les fermes-usines, rendez-vous le 17 juin prochain devant la cour d'appel d'Amiens pour soutenir les militants de la Confédération paysanne accusés du démontage en 2013 et de nouveau en 2014 du chantier de la ferme des 1000 vaches en Picardie. Pour tout savoir sur les bus pour se rendre au procès depuis n'importe où en France, confédérationpaysanne.fr.